Gap, 1984, DRS, pour le concept. Bah ouais, j'ai commencé le tag, le graph en 89-90. Mon blaze, c'était WAP au début. Il y a quelques soucis et conneries dans le quartier, donc j'ai dû le couper. Ça n'a pas dérangé à la base, plus économique, en turpin, tu vois. En temps, je peux me coller un petit peu partout. Moi, le graphe est venu, on va dire, tout seul, hein. Sans forcer. Dans le quartier, ça tagait un petit peu partout. À Saint-Gilles, il y avait une bonne école, les CAF, TBK, Raiden, Dumpy, Strike, Kick, Yank, Dogfield. Bref, des mecs qui faisaient des choses assez carrées. Un petit peu à l'américaine, des choses que notre gars était bien aussi bien déboîté, il y avait des belles pièces. Après dans ma classe, ouais, les grands frères, il y avait un grand frère de pote qui était Lucky Boy. Il ramenait des sketchs avec un bon style. Mon collège était bien cartonné aussi, bien tagué. Donc bah du coup ça c'est comme ça, c'est passé comme ça. Hein. L'école m'aimait pas trop à vrai dire, alors, donc j'avais besoin de liberté. Les soirs très jeunes, j'avais aussi, je pouvais sortir en fait, tu vois, donc on sortait, on traînait avec les potes du quartier. En ce moment-là, le graffiti était juste un plus, on va dire. Voilà, un plus dans mes sorties nocturnes. Après, les conneries arrivent avec les potes se dirigent dans différents business. Ouais, moi perso, le tag était beaucoup plus fun, ouais, j'ai bien trippé, plus jeune. Composer avec ce que tu chines, on récupère. Ah, j'ai très peu acheté de spray, même maintenant, hein, je peux pas lâcher des lovés pour une turpin qui va être buffée, qui va être sautée par un minot, je sais pas quoi. Ouais, le genre va à la care et les enfants. Pour. Puis j'ai envie de te dire, maintenant, chiner des turpins, ça me vient un petit peu trop. Mettre trop d'énergie, ça vaut plus trop le coup, donc ouais, récupérer du cuivre, des batteries. Les bécraves pour la turpin et le délire à côté, quoi. Voilà. Et après, je récupère des sprays dans la déchetterie et que je perce. Donc, du coup, après, je compose avec ça. Et voilà, c'est ça. C'est l'aventure, on va dire encore. Voilà, tu vois. Le graffiti dans mon secteur m'a ramené à rencontrer d'autres personnes. Et donc du coup, je fais des potes-roms. On est partis ensemble en Roumanie en mode canon Volkswagen avec des jambes différentes et tout ce qui va avec. Et là-bas, on n'a pas ensemble. On a bien trippé et du coup, là, on se met ouais, le tatouage. Je tatoue cette communauté que je rencontre. Ouais, ça me fait penser un petit peu cette scène underground que j'ai connue au début du graffiti, ce côté rock'n'roll avec des bons types, des bonnes valeurs qui mentent pas. On peut aller à fond. Donc ouais, sûrement c'est ça, c'est peinture tatouage, on va dire. Pour moi, la scène de Paris est toujours vivante, il n'y a pas de soucis là-dessus. Hein. Avec ses nouveaux venus, ses nouveaux départs, les types, ils osent des choses, ça cause des nouveaux médias qui sont là, ça permet, on sait où ça se passe. Mais ah, les minots, ils font du lourd, ils donnent des choses. Hein. Malgré que les règles ont changé, ils sont là. Et après, je te cache pas, ça fait plaisir de voir des ambiances toujours en place, en vie, même s'ils sont moins actifs qu'avant. C'est une chose que je peux grave comprendre, mais ouais, ça fait plaisir de voir que c'est là. C'est sûr, hein, pour moi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise époque. Chacun a eu sa façon de faire. Après, se métamorphose suivant la règle de l'extérieur. Et puis ça fonctionne, hein, les gars. C'est toujours en place depuis des années maintenant, je pense. Après, à mon époque, ouais, je l'ai vécu quand j'étais minot, donc je l'ai bien kiffé. Maintenant, je la vois différent. Il y avait cette découverte de liberté, cette aventure que je conçois et que je kiffe toujours. Et je prends toujours du plaisir, juste en composant avec plus de recul sur les lieux et même faire d'autres délires, carrément qui n'ont rien à voir, des traits, des lignes noires, des traits, du marquage en tout cas, c'est du marquage, c'est clair.
qui permet de toucher d'autres personnes et tester d'autres choses. Après, le tag est bon, il est réel dans tous ses sens, surtout à notre époque. Donc ouais, le tag, non, il n'y a pas de souci. Le tag. De toute façon, moi, je suis plus, à vrai dire, street. Voilà, donc je suis plus de peinture brute, rapide, et ça a plus de sens pour moi, ça a plus de patates que des grosses peintures où les mecs se prennent la tête pendant 3-4 heures, après ça va être repassé en plus. Non, c'est un délire. Bon, après, c'est bien, c'est joli au moins, c'est joli. Mais voilà, moi je suis plus de ce délire-là. Et puis après, les mecs que j'aime bien sur Paris en ce moment, c'est Skio, y a pas de souci. Voilà, ça tag, ça flop. Ça lance des styles que même moi je pourrais pas imaginer. Il y a Distur aussi, il y avait Asile, il y a Apôtre, et bien d'autres encore. Ils exploitent bien le délire, ils vont un petit peu plus loin, ils font des trucs. Voilà. Non, ma famille, ils savaient pas trop. Quand même, tu mènes une vie de psychopathe, double vie, quoi. De ton Jackie. Toi, tu regardes une session de Wulka, tu peux pas dire ce que t'as fait à ta daronne le matin. Tu vois, même si tu rentres, même si elle se doute un petit peu de trucs. Après, tout c'est. Mais ils savaient très bien que l'action après, c'était pas vandale. Comme pouvaient dire les institutions qui diabolisaient le mouvement en sachant pas le contrôler. Toi, ils voyaient bien le truc. Ils l'ont su, mais longtemps après, quand même. Longtemps après, en plus, moi, je mettais le délire. Comme ils ont mis ça côté illégal, tu vois, bah du coup, toi, tu fonctionnais comme ils le mettaient illégal, donc tu fonctionnais un petit peu comme les autres bises de tes potes, tu faisais gaffe à tout, tu faisais tes précautions, quoi, tu vois, voilà. Ouais, tu vois, au début, pour moi, le tag était une façon de sortir de la masse, hein, tu grandis avec plein de monde autour de toi. Chacun fait des trucs à côté, l'autre il fait ça, toi voilà, c'est un amusement quoi au début, et de prendre une liberté hein, et puis aller à l'aventure, à chaque fois que j'ai peint, tous nos endroits inédits, tu rencontres des gens qui ont rien à voir avec le graffiti, mais tu tripes avec eux aussi quand même, et grâce au graff, hein, tous mes voyages après, déplacements, il y avait un sens, et toujours fonctionné un petit peu comme ça, hein, et même maintenant, j'ai plus tagué en faisant d'autres délires, que d'aller taguer pour taguer. Après, ouais, effectivement, qu'on allait faire les trains, tout ça, c'était mission et puis conditionné là-dedans. Mais même les trains, il y avait un autre truc avant, une soirée, il y avait un délire là-bas, il y avait un délire après. Voilà, j'ai fonctionné toujours comme ça et même maintenant encore, ouais, c'est ça. C'est pour ça, à vrai dire, est-ce que je suis partout ou pas partout, je m'en moque en fait. Moi, c'est de faire, toi, tu fais le truc, quoi. Après, tu peux avec différentes personnes. Bon, je ne me suis pas trop mélangé, à vrai dire. Rester avec les mecs que je côtoie assez près. Ah, je pense que j'ai loupé pas mal de bonnes personnes aussi. Hein. Mais ah, c'est, à vrai dire, le graffiti, je pense que c'est pas mieux comme ça. Mais l'anonymat, c'est le but du truc. Hein. Et puis après, si on se rencontre, il y a que les montagnes qui se croisent pas, comme on dit. Ça, ah, j'ai bien aimé peindre avec Dex. On a un bon moment, on n'a pas ensemble. Ah, avec King UPS, le King là. Bon gars, on a bien trippé ensemble, on parlait la même langue à vrai dire. Moi en ce moment c'est avec Toufik. Après bien sûr, plus longtemps c'était les potes de les quartiers à côté, donc c'était The Fan, Beck, Samsi, plein d'autres types. Et après ouais, c'est pas quand on parle la même langue, c'est bon, c'est facile de peindre, après c'est différent. Quand je fais une action, t'aimes pas le délire, vas-y laisse tomber mec. À rien. Et puis ouais, moi je te dis, c'est peindre avec le type, pas peindre pour ce qu'a fait le type, tu vois. Il y a des mecs, après ils sont canailles là-dedans, et puis après, quand tu les découvres, tu te dis, mec, c'est quoi ton délire? Là, je te prends l'exemple de la peinture de Youm, voilà, c'est pas mal ça, c'est que de la récup. Et c'est que la récup du chinage et c'est. Du coup c'est le truc des couleurs inédites. Et pour moi c'est ça qui fonctionne à vrai dire. T'auras plus de visuel, d'impact visuel en ayant une voiture cabossée qu'une voiture propre pour moi. Voilà, tu prends une Ferrari, elle est cabossée,
les mecs ils vont s'en rappeler direct. Pareil pour le graphe qui a bossé, après c'est les, l'ambiance de ce que la société te montre aussi, que tu reproduis, donc du coup ouais c'est qu'à bosser. C'est, ouais, c'est comme ça, ils ont cassé le truc, c'est cassé. Avec Rizat, on descend dans une fosse, faire des coups d'extincteur au-dessus de tout le monde. Un mec, j'avais mal géré la puissance du matchstock. Retour de peinture en pleine figure, mon gars. Blanc. Mais où était blanc, mon gars? Impossible, le paletot pareil, blanc. Impossible de sortir de là, obligé de se cacher dans un immeuble. Et que le frérot, il fasse le tour en voiture, me récup. Ouais, plein d'histoires. De toute façon, dans tout ce qu'on fait, la peinture, ils te font. Des livres d'histoire, ils peuvent d'histoires drôles et moins drôles à te raconter, hein. Ah oui. Moi, il me voit bien encore ta gueule à 70 ans, 90 ans, hein. À la Matisse, avec du charbon de bois, même, hein, s'il le faut, avec des bâtons. Ouais, ta gueule. C'est pas ça la question, ce serait plutôt créer, toi. C'est le truc, c'est créer. Si tu ferais quoi, 70 ans? Ah, ça, je serais pas devant la télé, mec. De toute façon, j'ai pas de télé, même maintenant, donc, voilà, je... Ah, des compos, même que je sois à la campagne, à la montagne, je prendrais des cailloux, des bouts de bois, je ferai un truc. De toute façon, chaque lieu a un média, je vais te dire, je tague parce que j'ai tagué, parce que c'est là où j'ai grandi que ça m'a amené à ça. Mais peut-être que si j'aurais été ailleurs, j'aurais mis des bouts de pierre par terre pour faire, je sais pas, moi, des trucs, tu vois. Ah ouais, il me pose même pas la question. Le tout, c'est éclaté, tu vois, de faire un truc, on va dire un truc de sa vie, ou un truc pour les autres, pour la communauté, je sais pas. Ouais, je me vois bien encore, enfin, ouais, je ferai encore des trucs, je pense, hein. Donc, ouais, quand je vois Louis dans différents pays, il y a toujours la peinture qui m'accompagne, de toute façon. Voilà, tu vois. Je dis au Sénégal. Bon, c'est dans le début, là-bas aussi, c'est encore dans le début, tu vois. C'était délire, mon gars, tu peignes avec l'huile de vidange sur la route, on va dire l'autoroute, là-bas. T'as un convoi présidentiel qui passe, les mecs, ils passent normal. Tu vois les motards qui te chauffent, tout, rien, tu vois. Les mecs, après, ils s'arrêtent avec leur camion. Pas le mec de l'État, mais des mecs de Dakar qui s'arrêtent avec leur camion. Vas-y, fais-moi un tag. Puis c'était des tags, mec, hein, c'était pas du grave qu'on leur faisait. Et ouais, ça repartait comme ça, tu vois. Ouais, c'était un bon délire avec les misérables graphes là-bas. Oh, j'ai bien trippé. Pareil, je vais te dire, ouais, même à La Réunion, quand j'ai rencontré LSA, Echo, des barres de rire, mon frérot. Là, il y avait un type, limite chamaniste, qui nous prenait un camion soir, pour nous déposer sur l'autoroute, des endroits où jamais tu pouvais t'arrêter, où y aller à pied, et de son tour de voiture, tac, 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 on donnait une heure de rendez-vous, lui, pendant ce temps-là, il allait dans le cimetière près de la mer, il méditait, il buvait l'eau de la mer, tu vois, bim, on donnait une heure, et le mec, il était à l'heure précise, il n'y avait pas de téléphone à l'époque, il est à l'heure précise. Hop, il mettait les voyages sur l'autoroute, on montait et ça repartait. Ouais, avec Echo, bon gars, les réunions, LSA, et puis tous les potes à côté, que les noms, il y en a trop de noms à dire. Ouais, j'ai bien trippé avec eux là-bas. Et aussi, quand avec les collègues des RF, là, on allait faire les trains à l'eau, donc là-bas, on pouvait taper différents trains d'Europe. Et le soir, on se trouvait un train couché tranquille, on donnait notre nuit. Le matin, on se réveillait aux aurores avec le soleil. Et ouais, le pot était rempli de panneaux, fraîchement fait, on prenait les photos, on allait casse-croûte à côté, et puis on repartait encore faire les pots, notre train qui venait, on dormait. Tu vois, c'est... Ouais, tous mes voyages, j'ai bien trippé. Tous. Avec ça en particulier, quoi, tu vois. Ah, de toute façon, la justice, quand tu me balades tard le soir, tu... Elle vit avec toi, on va dire, même avec tes collègues, tes histoires, ça tourne. C'est toujours là. Les problèmes, ouais, on va dire coup-ci, coup-ça. Les joies. Ouais, avec le graffiti un petit peu, avec un petit peu de tout. On a fait gaffe, on a fait attention. On n'a pas fait trop le narvalo. Mais ouais, les mecs, à l'époque, ils fusillaient des vies quand même. Hein. Ah, tu vois, les types, mon gars, ils sont pris. Là, les amendes. Pour en fait quoi? C'est que la peinture. Le mec, il a des conneries plus graves. Après, il n'y a pas que les conneries qui est plus grave ou pas plus grave, tu vois. Mais c'est bon, les peines n'étaient pas les mêmes. Il y a des mecs, ils ont fait la prison pour la peinture, t'imagines, toi? La prison pour la peinture, pour des murs qui vont être cassés après. Ou des
Ou des mecs qui ont dégagé des gens pour faire leurs immeubles et puis qui sont gris. Non, c'est pas moi. C'est leur délire, hein, non. Moi, je vis ma vie, on va dire. Faut vivre sa vie et faire gaffe. Voilà, faire gaffe. Un big up, déjà les équipes qui se sont montées, qui ont duré, qui sont toujours là. Tous les browsers en fait, hein, c'est Gap, DRS, 1984. Après, d'autres types à côté, ils sont bons aussi, les SEA. Les mecs près de chez nous. J'ai dit une grosse dédicace à LSA, à Echo, La Réunion, là, merci mon gars, aux misérables graphes, du Sénégal, tous les gens qui ont côtoyé le délire, de près ou de loin, tu vois, qui, tu sais, que quand tu leur parles, c'est pas, t'arrives pas comme un ovni, ça, et puis, ouais, force à tout le monde, en fait, grosse dédicace à tous les graffeurs, je viens de te dire, mec, tu vois, tous les taggeurs qui font vivre le truc encore, et qui restent dans une bonne mentalité, on va dire, tu vois. Voilà, donc big up à toi. Encore une dédicace à Cité, tous mes patrons, big up à eux aussi, tribu ensemble. Ouais, et puis, il y a tellement à faire qu'on va s'arrêter là, on va dire. Voilà, allez, force.